بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 33 sur le cours de trigonométrie niveau bac en sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Soit alpha un angle qui appartient à l'intervalle pi 3π sur 2 tel que cosinus alpha est égal à moins 3 sur 5. Calculer tangente alpha sur 4. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher tangente alpha sur 4. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Montrons, bien calculons. Tangente alpha sur 4. Calculant tangente alpha sur 4. On a le cosinus alpha, donc on peut calculer tangente alpha. On sait que un plus tangente au carré alpha est égal à 1 sur cos carré alpha. Ceci équivaut à 1 plus tangente au carré alpha est égal à 1 sur moins 3 sur 5, le tout au carré. Ceci équivaut à 1 plus tangente au carré alpha est égal à 25 sur 9. Ceci équivaut à tangente au carré alpha est égal à 25 sur 9 moins 1, qui est égal à 16 sur 9. Ceci équivaut à tangente alpha est égal à 4 tiers, la racine carrée de 16 sur 9, c'est 4 tiers, ou tangente alpha est égal à moins 4 tiers. L'une de ces deux valeurs qu'on va prendre, laquelle, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alpha, on nous a dit que alpha, il est compris entre pi et 3pi sur 2. Ceci implique que alpha sur ceci implique que la tangente dans cet intervalle, la tangente alpha, est un angle qui est strictement positif. Comment je sais ça? Je trace mon cercle trigonométrique. Bon, ici j'ai pi. Et ici j'ai 3pi sur 2. Bon, et ça c'est l'axe des tangentes. Ça c'est l'axe des tangentes. Well, axe des tangentes. Donc il a dit là, n'importe quel élément qui se trouve ici, entre pi et 3pi sur 2. Donc, qui fait que la tangente de l'eau, par exemple, le nombre x, la tangente de l'eau, ou est le nombre l'énana. Ou est le nombre l'énana, il est dans la zone positive, parce que l'énana, l'origine, l'éwa, un point que j'appelle, par exemple, i, l'énana 0, 0, 1, 2, 3, très l'aide axe gradué, c'est une droite graduée. Donc, l'énana, les éléments positifs, ou les éléments négatifs. Il n'a pas de mettre le nombre x, l'intervalle pi, 3pi sur 2, la tangente est toujours positive. D'accord ? Donc maintenant, je sais que la tangente est positive. Donc je vais prendre la valeur positive qui est 4 sur 3. Donc, tangente alpha est égale à 4 tiers. Maintenant, je peux calculer aussi sinus alpha. D'où ? Vous savez que tangente alpha est égale à sinus alpha sur cosinus alpha. Donc sinus alpha est égal à tangente alpha fois cosinus alpha, qui est égal à 4 tiers. Oui, 4 tiers. Puis fois le cosinus alpha. Le cosinus alpha, c'est combien? Oui, je cherche le cosinus alpha. C'est moins 3 cinquièmes. Voilà, c'est moins 3 cinquièmes. Donc, ça donne moins 4 sur, après réduction par 3, ça donne moins 4 sur 5.
Ça, c'est le sinus alpha. C'est moins 4 sur 5. Maintenant, on va chercher le sinus alpha sur 2 et le cosinus alpha sur 2. Bon, on sait que cosinus x est égal à 2 cos carré de x sur 2 moins 1. Ceci équivaut à dire que cosinus au carré de x sur 2 est égal à cosinus x plus 1 sur 2. Et cosinus x aussi est égal à 1 moins 2 sinus au carré de x sur 2. Donc ceci équivaut à sinus au carré de x sur 2 est égal à 1 moins cosinus x sur 2. Donc maintenant, on va calculer cosinus alpha sur 2. Donc, cos carré alpha sur 2 est égal à cosinus alpha plus 1 sur 2. Et sinus au carré alpha sur 2 est égal à 1 moins cosinus alpha sur 2. Donc cos carré alpha sur 2, cos carré alpha sur 2, oui, c'est cosinus alpha qui est égal à moins 3 sur 5, plus 1 sur 2. Et sinus au carré alpha sur 2 est égal à 1 moins moins 3 sur 5, donc c'est plus 3 sur 5, le tout sur 2. Cos carré alpha sur 2, moins 3 plus 5, c'est 2 sur 5, le tout sur 5, c'est 1 sur 5. Et sinus au carré alpha sur 2 est égal, 5 plus 3, c'est 8, 8 sur 5 sur 2, c'est 4 cinquièmes. Donc cosinus alpha sur 2 est égal à racine carrée de 5 sur 5, ou cosinus alpha sur 2 est égal à moins racine carrée de 5 sur 5. Et sinus alpha sur 2 est égal à racine carrée de 4 sur 5, c'est 2 sur racine carrée de 5, c'est-à-dire 2 racine carrée de 5 sur 5. Ou sinus alpha sur 2 est égal à moins 2 racine carrée de 5. Ça, c'est moins 2 racine carrée de 5 sur 5. Alpha, on nous a dit que alpha, il est compris entre pi et 3pi sur 2. Ceci implique que alpha sur 2 est compris entre pi sur 2 et 3pi sur 4. 3pi sur 2 sur 2, c'est 3pi sur 4. Bon, on va voir maintenant le cosinus alpha sur 2 dans cet intervalle. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc, on va tracer le cercle trigonométrique d'Ali. Voilà. Bon, on dit pi sur 2. 3pi sur 4, quelque part ici. À de la zone, le sinus il est toujours positif et le cosinus est toujours négatif.
n'est-ce pas? Donc, sinus alpha sur 2 est strictement positif et cosinus alpha sur 2 est strictement négatif. Par suite, sinus alpha sur 2 radine 2 racine carrée de 5 sur 5 et cosinus alpha sur 2 est égal moins racine carrée de 5 sur 5. Je connais sinus alpha sur 2 et cosinus alpha sur 2. Donc, je peux savoir tangente alpha sur 2. D'où tangente alpha sur 2, c'est sinus alpha sur 2, c'est-à-dire 2 racine carrée de 5 sur 5, sur cosinus alpha, c'est-à-dire fois l'inverse, c'est-à-dire fois moins 5 sur racine carrée de 5. Je peux éliminer racine carrée de 5 avec racine carrée de 5 et moins 5 avec, et 5 avec 5. Ça donne finalement tangente alpha sur 2 est égal à moins 2. Voilà. Maintenant, je sais à quoi est égal tangente de alpha sur 2. Donc maintenant, je vais faire appel à une règle qu'on a vue dans notre cours qui dit, il y a dit que c'est la règle, tangente alpha sur 4. On sait que tangente A est égal à 2t sur 1 moins t carré. T, c'est tangente A sur 2. Donc, est égal à tangente 2 fois tangente A sur 2, c'est-à-dire à démontrer 9 le cours, sur 1 moins tangente au carré de A sur 2. Donc, tangente alpha sur 2, A c'est alpha sur 2, est égal à 2 fois tangente alpha sur 2 sur 2, c'est-à-dire alpha sur 4, sur 1 moins tangente au carré de alpha sur 4. A sur 2, c'est alpha sur 2 sur 2, c'est alpha sur 4. Où elle n'a la tangente alpha sur 2, c'est moins 2. Donc on va la remplacer ici et on continue. Et comme tangente alpha sur 2 est égale à moins 2, alors moins 2 est égal à 2 tangente alpha sur 4 sur 1 moins tangente au carré alpha sur 4. Je peux éliminer ce 2 avec ce 2. Je vais prendre moins 1. Moins 1, je vais prendre moins 1. Je vais prendre moins 1 moins tangente au carré alpha sur 4. Qui est égal à tangente alpha sur 4. Donc ça donne moins 1 plus tangente carré alpha ou bien tangente au carré alpha moins 1 moins tangente alpha sur 4 qui est égal à 0. On est d'accord? Ça, c'est une équation à résoudre, dont l'inconnu, c'est tangente alpha. Ceci équivaut à tangente au carré alpha. Tangente au carré alpha, moins, je m'excuse, si c'est alpha sur 4. Moins tangente alpha sur 4, moins 1 est égal à 0. Vous pouvez utiliser ici delta pour factoriser cette expression mathématique. Moi, j'utilise rarement delta. Je continue de cette façon. Tangente au carré alpha sur 4, moins 1 demi,
de tout carré moins un quart moins 1 est égal à 0. Ceci équivaut à tangente, ici c'est pas au carré, tangente alpha, oui c'est au carré, non, mais c'est ça. Ça reste comme ça, tangente alpha sur 4 moins 1 demi, le tout carré est égal, moins 1 sur 4 moins 1 c'est moins 5 sur 4, si on le déplace à l'autre membre, ça donne 5 sur 4. Ceci équivaut à tangente alpha sur 4, ici c'est moi, moins 1 demi, est égal racine carrée de 5 sur 4, c'est-à-dire racine carrée de 5 sur 2, ça c'est 2, ou tangente alpha sur 4, moins 1 demi, est égal à moins racine carrée de 5 sur 2. Ceci équivaut à tangente alpha sur 4 est égal à 1 demi plus racine carrée de 5 sur 2, c'est-à-dire 1 plus racine carrée de 5 sur 2, ou tangente alpha sur 4 est égal à 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Voilà. Donc, je suis devant deux solutions. L'une d'elles va être convenable. Donc, je retourne à alpha. Alpha, il est compris entre pi et 3pi sur 2. Donc, ceci équivaut à, et je divise alpha par 4, ça donne alpha sur 4, va être comprise entre pi sur 4 et 3pi sur 8. Donc, je vois dans cet intervalle comment est la tangente. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Bien sûr, dans cet intervalle, la tangente est positive. Donc, je prends la valeur positive qui est racine carrée, qui est égale à 1 plus racine carrée de 5 sur 2. L'autre valeur, il est négatif, puisque 1 est déjà inférieur à racine carrée de 5. Donc, 1 moins racine carrée de 5, il est négatif. Sur 2, c'est une valeur négative. Ceci implique que la tangente de alpha sur 4, c'est une valeur strictement positive. Conclusion finale. Tangente alpha sur 4, c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 2. D'où le résultat qu'on cherche. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse d'études Marrakech. À très bientôt.